Wow. Mitch Hunt with a drop goal. Mitch Hunt with a drop goal. Mitch Hunt. Mitch Hunt. He's got it. Unbelievable. I cannot believe what I've just seen. No way. He has come around the corner and as cool as you like, slotted one of the greatest drop goals I've seen. Unbelievable. Et ça joue, ils veulent. Ils veulent se faire plaisir au stadium, les Toulousains. Alors, on passe au contact, c'est bien fait, le jeu debout est placé, maintenant, ça arrache. Oh, la cuillère, là, UG est au soutien. UG, la passe finalement, voilà, c'est bien fait, Dupont, sur les extérieurs, Colby maintenant. Colby poursuivi par Moretti. Moretti qui essaye de le stropper, mais non, personne n'arrive à stopper. L'as des as, Cheslin, Colby. Allez, la sortie. Bertrand qui a pris, qui a passé les bras pour Frédéric Michalak. Il y a du monde à l'extérieur avec Emmons qui va retrouver Josion. Josion, terre promise. Josion dans l'embut. Et c'est français. Tous les jours. Oui, mais celle-là, elle vaut cher. Le Sobus en 2015 qui avait la montée au bout du pied pour Mont-de-Marsan. Oui, sur une transformation d'essai. Il était sur son mauvais pied, côté gauche. Et voilà, c'est la fin des 4 minutes. De la gagne. Le coup de pied pour aller chercher le titre de champion pour Bayonne et une accession au top 14. Quel moment extraordinaire, Martin Bustos-Pogliano. Le coup de pied de la gagne pour l'Argentin. Tout le Pays Basque s'est arrêté de respirer. Elle n'est pas facile, malgré son expérience. Elle n'est pas facile cette pénalité, le coup de pied de l'Argentin qui va passer à fond les pieds. Bayonne s'impose à la dernière seconde. Bayonne est champion de France pour le 2019. Le pays de Basque est de retour en top 14 grâce à la guerre bayonnaise. Une victoire à la toute dernière seconde, 21-19 face à Brive. Venia. Gagnia! There was an obstruction there. Will Gagnia. Cooper's with him. He's got Cooper. Is this a magical moment coming up? Gagnia! Yes! De là, ça pourrait être un break définitif. Oui, oui, interception magnifique. Allez, bien à hauteur. Allez, bougez à hauteur. Oui, c'est bien joué. Ça. Allez, Yann Huger, il y a encore du monde. Placide, à gauche, à gauche, à gauche. Pézi, encore à Pézi gauche. Pour Médard. Allez, au bout. Et l'essai. Au bout. Le doublé de Maxime Médard. Here comes Kirtley Beale. Mitchell's lost it. Now here's Ben Smith in space. Bowden Barrett. Bowden Barrett's got a heap of pace. He leads the charge. Go Bowden. That's all damage. That's the Bowden. World Cup. Bowden Barrett. Pour cette balle sorte rapidement. Keller pour William Servat, la charge du talonneur. Le drop. Le drop de Jean-Baptiste Elissaldi se ravise et il va aller jouer un très très bon coup dans le fermé. Il a fixé que c'est bien joué. Pour laisser peut-être un bout de magnifique action toulousaine. Oh là 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 là. Et l'essai peut-être de la qualification de Balili. Oh les cadrages. Physique ce soir, vous n'avez qu'à repérer les visages des uns et des autres. Ils sont marqués. Hein. Oh le bon côté fermé qui a joué là. Elissad va choisir Michalak, mais avec ce coup de pied. Oh, que c'est bien joué, reste dans l'air de jeu. Reste là. Qui va y aller. Oui. Magnifique combinaison. Dupont. Colby, tiens, le voici, hop. Tout en dérapage, réaccélération. Il a transpercé. Chelsea Colby. Josion encore avec Sarzeski et lui il va péter plein de centre au milieu du terrain, libérer son ballon. Il y a un surnom au côté droit, on va aller chercher. Et Elissad rate la course avec Claire. Allez, rate la course avec oui, du sautoir. Et c'est de du sautoir. C'est fait arracher par Nika Bendanon, c'est un ballon récupéré par les Clermontois avec Damien Penaud. Damien Penaud qui met les cannes. Damien Penaud qui s'échappe. Damien Penaud qui repique intérieur. Il faut du soutien, il en a avec Raka. Et là, ça y est, un contre un. Raka, tu sors là. Raka,
finale sur un compte de près de 80 mètres. Il est l'œuvre d'Alizé Vecchi, Rafa, son quatrième essai cette saison. Elisalde, il y a des gros. Ça monte vite. Fritz, ça monte vite. Oui, Fritz chassé par Monnet, lui échappe attention à cette accélération de Florian Fritz qui est passé. Il a joué la quête au Monimatal. Fritz, c'est Christophe Dominici qui est à la lutte avec lui pour essayer de le rattraper dans le coin. Dominici revient. Allez, essai de Florian Fritz. Soyalo pris par Harry Nordoki. Léonard. Voilà, le ballon. Avec Or maintenant. Ouais, il est là le ballon. Elisal. C'est fini, il faut aller jouer en touche Jean-Baptiste, c'est ce qu'il fait. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby.